À Grenoble, je vous le disais, la campagne pour le deuxième tour des élections municipales est repartie, mais en raison des mesures sanitaires, les candidats en lice sont dans l'impossibilité d'organiser des meetings. C'est donc avec les outils numériques qu'ils tentent de convaincre les électeurs. Jean-Christophe Solari, Florine Eba. L'équipe de campagne d'Éric Piolle n'a pas baissé la garde malgré les 46,67% de son candidat au premier tour. Elle anime une visioconférence hebdomadaire sur un sujet de société et a recours aussi au démarchage téléphonique. On se rend compte aussi que tout le monde n'est pas au courant que ce second tour arrive. C'est lié aux circonstances, les gens ont peut-être la tête ailleurs et c'est aussi normal. Et on va aussi leur parler un petit peu de comment cette crise a transformé aussi leur mode de vie.